fois, il y a longtemps, dans un pays très loin d'ici, vivait une jeune fille de simple paysan. Elle était très jolie, mais très pauvre. Mais elle avait une foi profonde en Dieu. Elle parlait souvent à Dieu pendant la journée, comme elle le faisait dans son travail au champ. Chemin jusqu'à Bethléem, sa maison ancestrale y étant enregistrée. Et donc, avec Marie son épouse, Joseph a commencé son voyage jusqu'à Bethléem. La nuit vint, et avec elle, Marie allait avoir son bébé. Ils eurent besoin d'une chambre à l'auberge, mais la ville était bondée, il n'y avait plus de place. Le temps est bien passé. Quelque chose arrive, le ciel est étoilé, le ciel est étoilé, le ciel est étoilé. Non loin de là où Marie et Joseph étaient, il y avait des bergers sur le flanc de la colline qui prenaient soin de leurs moutons. Tout d'un coup, ils virent un ange. Il leur dit que Jésus est né. Les bergers ont quitté leurs moutons et ont couru en ville. Vers quelle ville ? Était spécial, afin qu'ils apportent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il était une fois un petit bébé né en Bethléem. Son nom était Jésus et il nous a été envoyé par Dieu. Pour que je comprenne ce Dieu souverain, il fallait qu'il prenne mon aspect humain.